Alors, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques, comment vous comportez-vous avec les médias? Vous estimez que la télévision est une chose importante ou est-ce que c'est d'abord la radio qui est le vecteur le plus important? Est-ce que la télévision, je crois que c'est ce que vous pensez, est d'abord une résultante, mais c'est d'abord la radio qui fait connaître une chanson, la descendre la chanson dans la rue? Mais d'abord, je ne me comporte pas avec les médias, c'est les médias qui se comportent avec moi, ce qui est très nouveau. Alors moi, je fais les chansons, puis je vois toute cette espèce de monde qui s'agite autour, qui est bizarre. Je crois qu'au début, il y a la radio, parce qu'une chanson, elle n'a pas besoin tellement de vecteurs. C'est-à-dire, les gens l'écoutent, ils n'ont pas besoin d'une notice d'emploi ou d'une notice explicative pour savoir si ça va leur plaire ou pas. Donc je pense que le vecteur principal d'une chanson, là où on l'entend, c'est la radio, et ensuite la télévision pour mettre une image dessus. Comment vous voyez dans 4 ou 5 ans, comment vous allez négocier ce virage? Car vous êtes maintenant une vedette et je sais que vous êtes très prudent à l'égard de tout ce qui vous arrive et vous essayez d'être le plus lucide possible. Car ce qui vous arrive là, bon, vous le souhaitiez, mais vous ne souhaitez pas que ça devienne trop important, que ça change trop votre vie. Or, que vous le vouliez ou non, ça va changer votre vie, ça l'a déjà changé. Enfin, moi je pense qu'il faut revenir à la chose principale qui est la chanson. On fait des chansons parce qu'on vit des choses. Le jour où on ne vit plus des choses, on ne fait plus de chansons parce qu'on n'a plus de sujet, parce qu'on n'a pas vécu des choses intéressantes. Donc le piège, c'est de vivre la vie de chanteur, qui est quand même une des plus bêtes du monde. On vous appelle le taxi, ou vous êtes invité au restaurant, etc. Et à partir du moment où il ne se passe plus rien et où on ne vit pas des choses réelles et authentiques, là je crois qu'on est cuit. Alors le danger, je crois que c'est ça surtout. On va retrouver Jean-Jacques tout à l'heure.